La roue serait-elle en train de tourner? En tout cas, le projet de parc éolien au large d'Oléron pourrait bien être retouché. C'est le sens du recours gracieux que s'apprête à adresser le maire de Saint-Pierre-d'Oléron à la ministre de la Transition énergétique. Pour lui, il s'agit d'enclencher un dialogue avec l'État afin non pas de réclamer l'abandon du projet, mais d'en réduire la surface et de le décaler de 10 km vers le nord et le large. Je voudrais qu'ils aillent dans le sens de faire tout de suite peut-être un deuxième projet un peu différent, un peu plus éloigné, redimensionné et moins impactant. L'édile souligne notamment que décaler l'emprise de ce parc éolien de 10 km aura une incidence directe sur 20% des navires de la Cotinière, des bateaux qui à eux seuls assurent la moitié du chiffre d'affaires de la criée. Un projet du coup beaucoup plus acceptable pour le président du comité régional des pêches. On n'a jamais été contre les énergies renouvelables, mais après, oui, à 60 000 des côtes, je pense que ça ne poserait pas de problème pour nous. Résultat, le comité régional des pêches va adresser dès demain le même recours gracieux. La LPO et plusieurs associations environnementales l'ont déjà fait ce lundi matin. Élus, pêcheurs et défenseurs de l'environnement, tous s'accordent aujourd'hui pour une implantation plus petite et en dehors des espaces protégés. Nous, nos travaux et nos engagements, notre responsabilité, c'est d'éviter les aires marines protégées et le tracé migratoire. Au-delà de 60 000, si vous voulez, nous, ça ne posera pas de problème. Au-delà de 60 000 nautiques, soit environ 110 km des côtes, cette nouvelle mouture du projet pourrait donc faire consensus. Reste à savoir ce qu'en dira le gouvernement.